voyage. Aujourd'hui, je vais vous raconter ma story time. Ça parle d'ours, comme vous avez vu dans le titre. Et je sais, il fait chaud. Je suis lésante, mais je suis pas ok. Maman, ok? C'est plus la lumière qui reflète. J'ai enlevé le ventilateur pour vous m'entendez. Mais il fait chaud. Je suis tout en haut, puis c'est les journées de canicule. Puis y a pas grand monde qui va bien, fait que courage à vous. Alors, dans le fond, je mangeais. J'ai parti en voyage en Gaspésie. Puis j'étais le chemin du retour. Et bien oui, ça prend 10 heures y aller. 10 heures revenir, pardon. Ils en revenir et c'est très long. Fait qu'on a arrêté à un motel à Matane après 4 heures de route. J'ai déjà fait sans aller aux toilettes, mais sans aller aux toilettes, je crois que sans aller aux toilettes. Mais je pense. 10 heures de route. Ben je dormais toute la route fait que. Mais là je suis avec mes grands-parents. Et que je dormais moins, mais oui, je dormais encore, mais il n'y a pas juste moi qui dors mal. Ok, il y a quelqu'un d'autre avec. Okay. Et vous dire que j'ai des petits bourrelets. Voilà. Non, mais on va me. Non, en tout cas, on s'en fout. Et voilà, fait que j'étais le chemin du retour, on a été manger souper, dîner. Aucune idée. Bon, en tout cas, j'étais manger et je mangeais dehors parce que ma mère elle voulait être dehors. Moi, je voulais être en dedans, en tout cas. Je mangeais dehors. Ma mère était de dos aux arbres. Comme il y avait des feuilles, elle était de dos. Puis moi, j'étais devant elle. Sur la table de face à elle et je pouvais le voir. Mais non, j'étais pas en auto. J'étais face à face comme ça. Fait que là, c'est pas la part de ma vie là, mais c'est. Je sais pas quand ça arrive, ok? Fait que là, je suis en train de manger, normal. Puis là, je vois un ours. Mais il ressemblait vraiment à Paddington. Je vois un ours. Ma mère, elle avait pas. Elle me croyait pas quand je lui ai dit. Oui, je vais avec ça. Quand je lui ai dit, mais elle m'a pas cru. Elle était comme. Parce que j'ai fait souvent des blagues, je fais beaucoup de comédie, fait qu'elle m'a pas cru. Et moi j'étais comme j'ai fait par exprès pour me figer juste pour qu'elle me croie. J'ai fait par exprès hein. J'ai pas voilà. Puis moi après que je lui ai dit elle a dit que elle avait entendu un crack plus tard. Après que je lui ai dit plus tard qu'elle m'a dit qu'elle avait entendu un crack. Moi, je cours en rentrant. Puis Kim m'a dit un peu plus tard que j'étais devenue blanche. Puis je tremblais. Mais je tremble normalement. Je tremble. C'est pas à cause que j'ai peur. Je tremble naturellement, c'est tout. C'est pas des tics, c'est rien de même. Naturellement. Je sais pas pourquoi. Je fais comme ça. Et. Voilà, fait que j'ai raconté à mon père, il a ri mais il avait vu son Facebook. Ma mère elle avait écrit, on mangeait tranquillement quand un ours apparaît, il fait coucou à Jean. Ma mère elle a dit à quelqu'un, mais tout le monde allait dans ce coin-là où il y avait l'ours, mais c'est un ourson. Hein? Fait qu'il allait là tout le temps, mais c'est à cause de, ça fait longtemps qu'il est plus avec sa mère, il rentre autour, puis c'est ça qu'elle dit. Que la madame avait dit et voilà. On règle pas de toupette. Voilà. Mon toupette est comme caché. Voilà.
C'était vraiment étrange. C'était dans un coin protégé pour les animaux bizarres. Bravo! Attends, double cœur. Double cœur. Ça, j'adore ça, protéger les jeunes. Il y a le mot, alors, c'est pour ça. Mais sur Facebook, j'ai pas perdu là-bas. On est maté. Ok. Bon. Ça, c'est Marley. Puis une cravate. Voilà. Puis mes petits pantalons. Par contre, ce qu'on va faire. Désolé de montrer ta petite. L'avant, on va couper ou plaquer. Puis on va leur coudre. Il faut que je mette une épingle en haut. Puis en bas. J'ai écrit sur Facebook. Marley, t'aurais pu au moins t'en tenir de mettre des pantalons.